Nordic. Initialement prévue sur le stade d'Arson, la cinquième étape de la Coupe de France de biathlon a été disputée au stade des Tuffes, à Prémanon. Des catégories U17 à senior, la relève nationale a eu droit à 2 jours de course, dont des mass starts. Avec l'absence seulement des 7 sélectionnés de l'UBU Cup de Martel, les courses n'ont pas manqué d'intérêt, surtout avec le retour des médaillés des championnats du monde à Lanzarote. Ce sont les hommes qui les premiers se sont élancés. Et c'est groupé qu'ils se sont présentés dans le stade pour un premier tir. Le vent a joué plus d'un tour aux biathlètes. L'anneau de pénalité s'est transformé en périphérique. Dans ces conditions, il n'était plus que 5 hommes à occuper la tête pour le second coucher. Dont le bourdandin Thomas Briffaz, dossard jaune de leader sur les épaules. Le Montblanais U21 faisait le plein de bon augure après sa première erreur. De quoi aborder la suite avec confiance. Au niveau du coucher, ça je tire à 10 sur 10, mais au niveau du debout, compliqué. J'en loupe déjà 3 au premier debout. Ça va, j'avais rattrapé en loupant juste une au dernier. C'était compliqué, mais sur le ski, je me sentais vraiment bien, donc j'ai pu compenser avec le ski. Surtout que le haut jurassien Léo Raffin se tenait en embuscade. Un carton plein lors de son dernier passage devant les cibles lui permettait de devancer la concurrence et de l'emporter. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait 3 ans que j'avais pas gagné. J'avais pas fait de podium encore cette saison et je reviens un peu de loin avec un mois et demi sans course là. Donc je fais vraiment plaisir. Avec également 19 sur 20 au compteur, Clément Tessier finissait en seconde position. Ouais, super content, ouais, c'est vrai que. Ça faisait un petit moment, le tir allait bien, pas le ski allait bien, pas le tir. Et là, le fait d'arriver à associer les deux, super, super content de cette course. Derrière le trio tête, c'est le podium U19 qui se présentait, dont le meilleur d'entre eux, le Savoyard Éric Perrault. Oui, plutôt satisfait. Je savais que de toute façon, la course se rejoue sur les tirs debout, donc il fallait rentrer ses balles et essayer de revenir. Ça s'est plutôt bien passé. Puis en ski, j'avais une très bonne forme, donc ça m'a permis de jouer devant jusqu'à la fin. Quand les dames se sont élancées sur la piste du stade d'Étuffes, Éole, dieu du vent, n'en avait pas encore fini, bien au contraire. Et je me suis dit aujourd'hui c'est le moment de poser le cerveau et de enfin dompter ce vent parce qu'à chaque fois c'était lui qui prenait le dessus. Quoi, donc. Aucun 20 sur 20, aucun 19 sur 20 ni de 18 sur 20, mais au mieux 14 sur 20. 14 sur 20, c'est d'ailleurs la note obtenue par la biathlète des Verrières, Léonie Janier, vainqueur du jour, permettant au massif jurassien de signer le doublé. Oui, c'est sûr que c'est une bonne journée. Je gagne ici après Manon où j'ai fait les jauges il y a un mois, donc c'est super. Lors du second coucher, c'est Camille Coupé qui se présentait en solitaire. Bientôt rejointe par la bornandine Sophie Chauveau. La Féclasienne avait signé l'exploit de mettre toutes les balles lors de son premier passage, un cas unique. Mais la Savoyarde trébuchait, avec 2 fautes, tout comme Chauveau. Voilà qui faisait l'affaire de Marine Chalamel. La Dauphinoise prenait à son tour la tête d'une mastarte où le vent déguillait les leaders comme une boule de bowling des quilles. Avec 4 erreurs au premier debout, c'était très vite le tour de Chalamel. Au second debout, Thaïs Barthélémy prenait à son tour les commandes pour quelques minutes puisqu'elle ratait 4 balles. Et tout était à refaire. Finalement, Léonie Janier, U19, l'emportait devant Louane Cheva qui allait être disqualifiée. D'abord 3e, Camille Coupé la remplaçait sur le podium devant la skieuse de Courchevel, Eve Bouvard. Oui, super contente. On prend tout ce qu'il y a à prendre et on laisse tout ce qu'il y a à laisser.